Eh bien bonjour messieurs dames, ça y est, nous sommes passés Infinite avant la globale. C'était notre objectif sur le compte principal et honnêtement, je pensais pas y arriver. Maintenant l'objectif ça sera de faire ça sur le compte free-to-play. Si vous voulez suivre l'aventure, c'est directement en description. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. On fera ça du coup sur les derniers jours qui nous restent pour la globale. Et il reste du coup J-5, 5 jours avant la globale. Dites-moi en commentaire si vous êtes pressé pour la sortie du jeu. Je pense que beaucoup d'entre vous l'attendent. En tout cas, c'est mon cas. L'arrivée de nouveaux joueurs, l'arrivée de nouveaux créateurs de contenu, de nouvelles choses qui peuvent se mettre en place, ça va être juste trop bien. Si jamais vous voulez un Discord communautaire pour le jeu, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Ragnarok TCG. C'est comme je l'ai dit, un Discord communautaire pour les jeux de cartes, mais on a une catégorie sur Marvel Snap qui est plutôt bien complexe. Et à l'heure actuelle, je crois qu'on tourne autour des 160 personnes qui ont le rôle Marvel Snap. Pas forcément qui jouent au jeu ou qui ont accès au jeu, mais au moins une bonne base de personnes avec qui vous pourrez communiquer. Et ça, c'est vraiment top. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck avec lequel je suis passé rang Infinite. C'était vraiment un parcours du combattant, ce deck là m'a beaucoup aidé pour résumer du rang 70 au rang du coup 80, ce qui fait quand même plutôt bonne fourchette. Alors j'ai dit 70 à 80, enfin 70 à 100, mais je suis même pas sûr, je crois que c'est 80 à 100, donc ça fait quand même 20 rangs de gagner. Je vais vous montrer un peu les statistiques du deck, je vais aussi vous présenter le deck maintenant, et aussi sur différentes versions, parce que le deck c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, c'est le deck un créateur de contenu que vous retrouverez en description avec la decklist originelle que je vais vous présenter qui est ici. En fait, je vais vous présenter cette decklist et je vais vous présenter les changements que j'ai effectués au fur et à mesure. Et notamment les changements sur le lieu en feature, qui est la tour Oscorp, qui est du coup vraiment grâce à ce lieu qu'on a pu faire des résultats assez énormes. Mais même sans ça, le deck fonctionne très très bien. C'est un deck avec beaucoup de possibilités, très dur à prendre en main. Mais une fois que vous avez quelques notions d'anticipation, etc., ça peut être vachement intéressant. Alors, je vais vous présenter carte par carte. On va commencer avec Sunspot. Sunspot qui dit qu'à la fin de chaque tour, pour chaque énergie non utilisée, plus 1 puissance. On va voir que ça synergise avec d'autres cartes au fur et à mesure du coup de la présentation, notamment Electro. Mais cette carte-là, elle est très très intéressante parce que vous allez pouvoir le jouer et normalement, sur, en fonction de votre sortie, sur les T2, T3, enfin, même après en fait le T3, vous allez avoir toujours un peu d'énergie qui va être stackée. Et au lieu qu'elle soit stackée sans aucun but, Sunspot, lui, va pouvoir en tirer bénéfice du coup, et ça va être vraiment intéressant. On a du coup Adam Warlock, alors ça c'est vraiment sur la version V1, donc la version originelle du deck, parce que personnellement je trouve que la carte elle ralentit beaucoup trop le jeu, surtout si on est sur un move où on a déjà joué Electro, le fait de pouvoir piocher une carte supplémentaire mais en perdant un tour sur du coup l'effet d'Electro qui nous oblige à jouer qu'une seule carte par tour, je trouve que ça ralentit trop la tempo. C'est très intéressant sur, avec des mécaniques comme Diva Dinosaur, mais en soi on peut s'en passer, c'est pas nécessaire. Donc si vous n'avez pas Adam Warlock, je vais vous présenter une autre version qui personnellement est la version que je jouais avant le lieu en feature. Et je trouve que Adam Warlock ici, il ralentit malheureusement beaucoup trop les choses, mais en tout cas c'est la version originale donc je vous la présente. On a Armor, alors Armor très intéressante parce que la plupart du temps on va jouer Sunspot. Et vu que Sunspot c'est un T1, il y a beaucoup de cartes dans le jeu qui peuvent aller le chercher. On peut penser à Electra, on peut aussi penser à Killmonger. Enfin beaucoup de cartes qui vont détruire et cibler les T1. Et faut pas partir dans l'idée que si on joue Sunspot, il va rester de manière totalement continue et que l'adversaire va pas vouloir le gérer. C'est totalement faux, c'est une carte qui va pouvoir se booster très rapidement. Vous allez pouvoir faire quelques fois des stratégies autour de lui, donc il faut assurer ses arrières. D'où le principe d'Armor, mais c'est pas la seule utilité d'Armor, elle va aussi préserver votre carte de la destruction pour certaines de vos cartes, justement, vous allez voir. En tout cas, Armor, elle dit quoi? Continue, les cartes à certains placements ne peuvent pas être détruites. Et ça, ça va être super bien en combinaison du coup avec Sunspot, mais aussi en prévention avec une des cartes qui est présente dans le jeu, qu'on va voir un peu plus tard. Le fameux Electro, messieurs dames, et regardez-moi ça, cette beauté incroyable! Qui vient de la version Ultimate, je crois, mais je suis pas sûr parce que je l'ai pas encore vu sous cette forme-là dans les comics. Après, c'est peut-être une variante de couverture, mais il me semble qu'il a la forme Ultimate ici. Enfin, en tout cas, il ressemble beaucoup à la version Ultimate, donc présente dans Ultimate Spider-Man. Electro, il dit quoi? Il dit que quand on va le jouer, on va gagner plus 1 d'énergie maximum. C'est-à-dire qu'on va pas, on va gagner plus 1 d'énergie. Alors, ça marchera pas, par contre, sur si on a Sunspot et qu'on gagne plus 1 d'énergie avec Electro, le plus 1 d'énergie sera pas compté dans le compteur de Sunspot. Donc ça, ça marchera pas. Par contre, ça nous fait une énergie supplémentaire pour les tours suivants. Donc si je le joue au T3... Normalement au T4, bah, je passe à 4 énergie. Là avec Electro, au tour 4, je passerai à 5 d'énergie. Au tour 5, à 6 d'énergie. Et du coup, au tour 6, à 7 d'énergie. Et ça, c'est très très important, vous allez pouvoir voir ça. Notamment, ça permet quoi comme combo? Ça permet par exemple au tour 5 de jouer un tour 6. Et au tour 7, de rejouer un tour 6. Et jouer 2 tours 6 d'affilée, ça peut vraiment donner des bonnes situations. Très très cool. L'inconvénient, c'est que en continu,
on ne peut uniquement jouer une carte par tour. Alors, le continue a son importance, je vous ai expliqué lors de la tauroscope. On peut trouver des combinaisons à jouer autour de ça. D'ailleurs, même dans la version, j'y avais pas pensé, mais la V2, on peut jouer une carte en particulier pour aller en combo avec celui-ci. C'est un inconvénient qui, en soi, de base, nous dérange pas trop de jouer une carte par tour. Vu qu'on va jouer des cartes avec des coûts assez élevés, ça reste ok. Mais si on peut faire en sorte que cet inconvénient soit donné à l'adversaire, pour que ça soit lui qui peut jouer qu'une carte par tour, là, c'est très très intéressant. On a ensuite Cosmo. Alors Cosmo, très très bonne carte de contrôle. Je pense que c'est une des meilleures cartes de contrôle en fait en carte pool 1 que vous pouvez avoir très très rapidement. Il a un effet continu, donc ouais, continu, on va rester sur les thèmes français. C'est pour 3 N 3-3. Et les capacités révélées ne se déclenchent pas à cet emplacement. Ça va nous être utile dans certaines situations avec notre deck, mais ça va être utile surtout sur des decks adverses. Je pense notamment à tout ce qui est Wong, Odin et toutes les choses dans le genre. Vous mettez Cosmo sur Deadpool, il n'y a plus de Deadpool, si vous le placez correctement. Vous mettez du coup Cosmo sur Wong, bah, le move de Wong, du coup, il est juste annulé. Enfin, il y a vraiment plein de combos et plein de decks à contrer avec Cosmo et de mécaniques à contrer que la carte est vraiment ultra intéressante. Et on la voit pas spécialement sur le leaderboard, donc l'adversaire peut l'anticiper, mais ça peut quand même créer la surprise, donc très très bonne carte de contrôle. L'Enchantress, qui, lorsqu'elle est révélée, on va retirer les capacités continue de toutes les cartes à cet emplacement. Alors, ça marche très bien en termes de contrôle pour aller gérer les cartes continue de l'adversaire. On pense à Dival Dinosaur, on peut penser peut-être à Ronan, mais qui est moins présente, mais surtout par exemple aussi à Wong, à Onslaught, à Patriot, qui est beaucoup présent sur le ladder actuellement. Patriot, avec le deck Patriot, Mystic et Onslaught. Donc il y a vraiment beaucoup de cartes à aller chercher avec Enchantress, mais elle peut aussi contrer Electro et enlever l'effet de jouer qu'une carte par tour. Donc ça peut être intéressant de la jouer soit en termes de contrôle, soit en termes d'annuler l'effet d'Electro si jamais on en a besoin. On a le fameux Dival Dinosaur. Alors lui, ce Dival Dinosaur, il a été modifié pas mal de fois. La dernière version qui est présente ici, c'est une 5 d'énergie pour 3 de force, qui en continu va gagner plus de puissance pour chaque carte dans notre main. Très sympa. Le fait qu'il y ait 3 de puissance, en fait, si vous avez l'habitude de jouer avec les anciennes versions de Dival Dinosaur, il est plus à 0. Du coup, sur des cartes, sur des lieux comme Citadel Dunslot, où l'effet ongoing va être doublé, il faut bien faire attention à prendre en compte le 3. Dans les calculs, ça m'est déjà arrivé en live, donc je vous le précise ici, mais très très intéressante comme carte, et elle marche plutôt bien dans le deck, et vous allez voir qu'il y a d'autres synergies à présenter avec. Professeur X, une des cartes clés du deck, qui fait que lorsqu'on va le jouer, on va condamner cet emplacement, et sur beaucoup de situations, juste avec cette carte-là, vous allez pouvoir vous assurer en fait la victoire sur un lieu, et c'est très très intéressant, vraiment très très intéressant. Ensuite, on a Arnim Zola. Arnim Zola, qui est une carte juste incroyable dans ce deck-là et sur beaucoup d'autres decks, mais dans ce deck-là, on utilise vraiment son plein potentiel. Et vous allez voir que le deck, c'est un peu un couteau suisse. Vous allez pouvoir vous adapter en fonction du deck de l'adversaire, de ce que vous allez rencontrer. Et Arnim Zola permet une flexibilité en fonction du terrain que vous aurez construit. Et alors, c'est un peu technique parce qu'il faudra bien se développer et garder le lieu, en fait, un lieu de sécuriser sans avoir d'autres cartes dessus. Mais Arnim Zola, il fait quoi? Il fait, quand il est joué, on va détruire une de nos cartes à l'emplacement où on joue et on ajoute des copies sur les autres emplacements. Alors ça va marcher super bien, par exemple on a présenté Dival Dinosaur. Si je joue Dival Dinosaur sur un lieu où il est tout seul, au tour d'après je joue Arnim Zola. Mon Arnim Zola va détruire mon Dival Dinosaur, mais Dival Dinosaur va pouvoir se mettre sur gauche et droite si par exemple je joue au milieu. Et ça c'est très très fort, ça génère deux copies et ça peut être un très très bon late game et notamment une très très bonne surprise. Elle marche avec beaucoup de cartes, cette carte-là, donc elle est très très cool. C'est, on va pas se le cacher, souvent une win condition, donc très intéressante. On a Leader, alors Leader trop bien aussi, hein, en fonction de la situation. Leader, on va le jouer en fait principalement lorsqu'on va contrôler au minimum 2 lieux. On contrôle 2 lieux, et si on met Leader, enfin même en soi c'est peut-être un peu plus subtil, mais dans la plupart des situations, Leader ça va être là pour vraiment s'assurer la victoire. Faut faire attention parce qu'il y a certaines cartes qui peuvent casser cet effet un peu de leader sur par exemple Destroyer. Si l'adversaire va jouer Destroyer et que nous on copie son Destroyer et qu'on n'a pas la protection qui va avec, ça va juste détruire tout notre board. Donc faut bien jouer au bon moment face au bon deck, etc. Mais très très intéressant cette carte là, ça permet de sécuriser la game et de sécuriser notre victoire. Et sur certains moves, ça peut vraiment faire des belles choses. Par exemple, imaginons que je contrôle un lieu de sûr et que mon adversaire, lui... Enfin, par exemple, je contrôle un lieu avec le Professeur X. Il y a un autre lieu que mon adversaire a 3 de force dessus. Je vais pouvoir jouer mon leader sur le lieu dans lequel il est. Je vais gagner 4 points avec leader, donc dans tous les cas, je serai au-dessus de mon adversaire.
s'il n'a pas joué de carte en réponse. Et du coup, mais même s'il joue une carte en réponse, d'ailleurs, s'il joue une carte en réponse, je vais juste copier sa carte. Et globalement, j'aurai plus de stats que lui à un point près. Mais ça peut vraiment faire un peu des situations de snowball. Et c'est une carte vraiment très très intéressante que je peux vous conseiller de jouer dans la plupart des decks. Enfin, dans la plupart des decks un peu contrôle. Destroyer. Alors, Destroyer, on peut se dire quoi ? Une carte qui va détruire toutes nos cartes ? Mais oui, parce qu'on joue Armor. Armor permet de cancel cet effet de destruction, au moins de sécuriser un lieu. Professeur X, du coup, quand on le joue, les cartes ne peuvent pas être détruites sur le lieu où il est joué. Donc, du coup, très très fort aussi. Et on a Cosmo. Cosmo qui annule l'effet révélé. Donc là, parfait sur Destroyer. Donc, c'est des cartes qui vont bien comploter avec. Généralement, on ne va pas souvent faire son effet de destruction. Et quand on le fait, quand il se déclenche, et ben en fait, ça veut dire qu'on a déjà des lieux qui sont protégés, donc pas du tout handicapant. Et pour 6, avoir une 16 de force sans condition particulière en fait néfaste pour notre deck, très très intéressant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si l'adversaire va jouer leader, il va du coup copier Destroyer, et ça peut lui détruire son board, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc c'est un deck vraiment ultra intéressant. Et là, du coup, on clore, je crois, la fin de la présentation, et on repasse sur... Ah non, il y a un Finote. Bah oui, un Finote. Un Finote, comment j'ai pu l'oublier. Un Finote, c'est... un gros buddy qui est ultra intéressant. On a présenté tout à l'heure, du coup, Electro. Et Electro, il dit qu'on va gagner plus en énergie. Ce qui fait qu'au tour 5, on aura 6 de mana. Donc imaginons que je mette Electro et que dans ma main, j'ai une strat qui te dessine où je vais avoir Infinite et Arnim Zola. Du coup, bah, je vais dire au T5, je vais juste passer. Suffit que j'ai joué Sunspot avant. Du coup, Sunspot va gagner de la puissance trop trop bien. Donc je vais passer mon T4 et au T5, je vais avoir mes 6 de mana, je vais pouvoir jouer Infinote. Si au T5, du coup au tour 5, l'adversaire il a pas géré Infinote, et bah au tour 6, je vais pouvoir jouer Arnim Zola sur le lieu où j'ai joué Infinote et générer 20 de puissance sur gauche, sur droite, si je l'ai joué au milieu, et ça c'est juste incroyable en fait. Ça permet de générer 2 cartes à 20 en termes de en cas d'égalité sur des lieux, et ben les 20 de puissance, les mêmes 40 de puissance cumulées, si on en fait 2 copies, sont incroyable et ça permet de sécuriser des games comme ça. La carte est très très cool. On va souvent la jouer dans cette optique là où si on a vraiment une très bonne sortie, genre Sunspot, Armor, Electro, Passe-Tour, Infinote et Arnim Zola. Et ça arrive quelquefois, ça fait des très très bonnes games comme ça et c'est vraiment très très intéressant. Et dans une situation où l'adversaire va vouloir prendre les cartes de notre deck, je pense à Cable, c'est arrivé hier, genre l'adversaire a joué Cable, a pris Infinote depuis mon deck. On a pu essayer d'anticiper l'Infinote qu'il allait jouer parce qu'il a passé tour. Et du coup, ça permet vraiment d'anticiper sur l'Infinote. On sait qu'il va avoir 20 de puissance. Est-ce que je peux faire plus de 20 de puissance? J'ai Destroyer, je vais faire un peu plus de 20 de puissance. J'ai gagné lieu et c'est comme ça qu'on a gagné la game. Et en vrai, genre, cette carte, elle est très très intéressante parce que si l'adversaire va la voir, souvent il va se dire waouh, trop de puissance, je vais pouvoir sécuriser un lieu avec. Et il va passer un tour. Et passer un tour quand on n'a pas un deck optimisé sur Infinote, c'est vraiment un peu complexe. Donc du coup, voilà un peu le deck idéal en version 1.0. Je vais vous présenter maintenant la version 2.0, donc c'est la version que je joue de base avant l'événement du coup Oscorp. Alors je suis pas sûr d'avoir joué Daredevil avant. Je me souviens plus trop quelle carte j'avais mis à la place de Daredevil, il y a pas mal de cartes à jouer. On peut par exemple mettre Baron Mordo qui peut être intéressant, mais je pense peut-être que si vous n'avez pas Daredevil, il y a une autre carte qui peut être grave full. Alors juste Daredevil si vous connaissez pas. Au tour 5, on va pouvoir voir les actions de notre adversaire avant d'avoir joué nous-mêmes. Ce qui indique que du coup l'adversaire va jouer ses cartes, et nous on va pouvoir voir quelle carte il va jouer, à quel emplacement, et pourquoi c'est ultra intéressant Daredevil dans ce deck là, parce que au tour 5, c'est aussi le tour où généralement on va pouvoir jouer Professeur X. Ça veut dire que je vais avoir un tour où au moment où je vais pouvoir condamner un lieu, donc bloquer un lieu, et ben je vais dire à mon adversaire, ouais je sais quelle carte tu vas jouer, où tu vas la jouer, et généralement T5 il va jouer une ou deux cartes, mais généralement une carte, et du coup on a deux lieux à disposition, ce qui peut être ultra intéressant. Là, je pense que c'est une version un peu plus optimisée que Adam Warlock. C'est un peu moins fort à cause du Divaldino et la draw, mais je trouve que la version comme ça est un chouïa plus forte que la version 1.0. Si vous n'avez pas Daredevil, alors toutes les autres cartes sont vraiment... On pourrait les remplacer sur certaines, mais vraiment partez sur l'idée que c'est un deck qui est assez cher, qui est pas simple à mettre en place ni spécialement à jouer, mais c'est une version vraiment optimisée, et pour en profiter au maximum, ça serait plus cette version-là qu'il faudrait avoir. Vous pouvez changer quelques cartes. Peut-être leader, en soi leader, on pourrait le remplacer sur un autre T6, on pourrait trouver peut-être une utilité là-dessus. Il y a 2-3 cartes qu'on pourrait modifier, mais pour une version optimisée, c'est vraiment cette version-là. Et du coup, Daredevil, si jamais, ça serait la carte qu'on pourrait un peu remplacer, si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez jouer sur une autre mécanique, alors qui est un peu plus complexe, dans le sens où ça ne marchera pas tout le temps, ça vous fera peut-être une carte morte. Mais on peut jouer sur Viper. Quand la tour au Scorp, du coup, va partira, je vous la présenterai après, on n'aura plus cet effet de...
cet effet cool qu'on va pouvoir profiter sur la plupart de notre game. Donc Viper permet en fait, quand elle est jouée, de donner à notre adversaire le contrôle d'une carte sur le lieu où elle est jouée. Et si on n'a qu'une seule autre carte, du coup l'adversaire va récupérer l'autre carte obligatoirement. Et imaginons qu'on mette Electro et qu'après je joue Viper. Si j'ai déjà Sunspot, du coup mon Sunspot va pouvoir gagner de l'énergie que j'aurais pas joué. Et Viper va pouvoir passer le contrôle d'Electro à l'adversaire. Et du coup ça permettra de lui faire en sorte toujours de lui faire la possibilité de jouer qu'une seule carte. Et si son deck est pas optimisé pour jouer une seule carte, on peut prendre l'avantage comme ça. Donc c'est très très intéressant. Donc soit Daredevil, soit Viper, soit du coup Adam Warlock si vraiment vous voulez tester la version V1. Mais je trouve que cette version là, personnellement, je la trouve plus intéressante. Et Adam Warlock du coup me faisait pas mal perdre de temps. Et du coup la fameuse version, idéalement Obscorp. Oh, je l'ai loupé, Obscorp. Et ben, je vais vous présenter d'abord la Tour Obscorp. La Tour Obscorp, elle dit, c'est un nouveau lieu qui a été implanté du coup mercredi, on est jeudi actuellement, qui fait que après le troisième tour, toutes les cartes ici changent de côté. Est-ce que vous voyez un peu la chose venir? Ah, je pense que vous voyez un peu la chose venir. Globalement, qu'est-ce qui se passe si au tour 3, on va jouer du coup, on va passer les cartes à l'adversaire, et ben on va essayer d'en profiter un maximum. Quel est le meilleur deck pour en profiter un max? C'est l'idéalement Obscorp. C'est vraiment, je pense, le deck le mieux adapté pour jouer sur ce lieu. C'est pour ça que du coup, qu'il explique que son utilisation est vachement élevée. Et du coup, on a modifié un Shugal deck pour implanter deux nouvelles cartes. Deux nouvelles cartes? Non, juste une nouvelle carte. On a enlevé du coup l'emplacement sur Daredevil et on a rajouté juste The Hood. Alors The Hood en soi, je ne conseille pas de le jouer sur la version normale. S'il n'y a pas la Tour Obscorp, c'est un peu une carte. Ça peut être intéressant, mais ça va pas utiliser tout son potentiel et ça peut nous ralentir plus qu'autre chose. Et The Hood, c'est un body qu'on va jouer. Il fait moins 2 en fait en termes de statistiques. Et si on joue sur Tour Obscorp, l'adversaire va hériter d'un moins 2. Et nous, on va juste récupérer potentiellement des bodies positifs ou aucun body, donc c'est très très cool. Mais surtout, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça fait trigger sur Electro. Je vais jouer Electro, mon adversaire va récupérer le contrôle, il pourra jouer qu'une seule carte. Moi, j'ai plein d'énergie, je peux jouer autant de cartes que je veux, je peux m'adapter en fonction du fait qu'il joue qu'une seule carte par tour, et c'est ultra intéressant. C'est vraiment un deck optimisé sur Tour Obscorp. Si vous voulez pas, si le lieu n'est plus en feature lorsque vous regardez cette vidéo, vous pouvez utiliser les deux autres versions que j'ai présentées qui fonctionnent plutôt pas mal. Actuellement, du coup, on va passer sur une autre scène pour vous présenter un peu les statistiques qu'on a fait sur le deck lors des dernières parties, et notamment du coup les quick games. J'en profite pour boire un coup, parce que parler, ça donne soif. Voilà, messieurs, dames, le fameux site. Je vais me mettre du coup sur la page. Je vais vous augmenter un peu tout ça. Alors, on est sur Marvel Snap Fan. J'ai déjà fait du coup plusieurs vidéos là-dessus, donc notamment la vidéo sur le meilleur site Marvel Snap, qui est objectivement Marvel Snap Fan. Et du coup, une autre vidéo sur le guide ultime. Si jamais vous tombez sur cette vidéo que vous n'avez pas encore regardé le guide ultime, c'est une vidéo un peu longue, elle fait une heure, mais vous avez plein d'infos ultra intéressantes si vous débutez sur le jeu. Je vous conseille vraiment de la regarder, ça pourrait vous aider. Donc là, on voit la decklist que j'ai utilisée ici. Et on voit notamment plusieurs statistiques qui sont ultra intéressantes. Alors on voit ici le nombre de games que j'ai fait. Donc on voit que j'ai fait 102 games depuis que j'utilise ce deck. J'ai fait 69 victoires, donc un pourcentage du coup de victoire de 67,65%. Et un taux de perte de 32%. Alors ça, c'est vrai que ça peut paraître ultra intéressant. Mais en soi, sur Marvel Snap, c'est pas un jeu où votre taux de victoire va importer. Ce qui va être ultra important, c'est notamment le net cube et vos nombres de cubes moyens gagné lors d'une partie. Alors, comment ça se traduit ces données? L'average cube, c'est un peu votre vitesse d'acquisition des cubes. Là, je suis sur 1,42, qui est une très très bonne moyenne. Avant de faire le live d'hier, où on a pris pas mal de risques et tout, on était sur 2,2 ou 4. Donc c'est vraiment ultra rapide comme deck pour gagner des cubes. Le lieu, il n'y est pas pour rien. C'est quand même à prendre en compte. Et le net cube, c'est quoi? C'est en fait vos total de cubes gagnés moins votre total de cubes perdus qui donne du coup cette valeur. Et depuis que j'ai utilisé ce deck là, j'ai gagné 145 cubes, ce qui est l'équivalent du coup de 14 rangs et demi à peu près. Sachant que ça compte que les données récoltées par quand j'avais du coup l'application Marvel Snap de lancer. Là, je pense que j'ai dû faire 1 heure, 2 heures de session sans avoir cette application quand je suis sur mon téléphone. Je fais pas spécialement attention. Hier, je l'ai remise un peu pour le passage sur Infinite pour être sûr de garder les données pour faire cette vidéo. Et du coup, on peut voir ici que hier, j'ai gagné 261 cubes. J'en ai perdu 116. Et du coup, j'ai gagné au total sur la journée d'hier, donc 10 rangs, 102 cubes, ce qui m'a permis de vous passer Infinite. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Notamment, c'est aussi les différentes statistiques du jeu. Enfin, les statistiques du jeu ici, c'est ici. Et là, c'est l'historique, en fait, surtout des parties.
Et ce site-là, il est ultra intéressant parce que quand vous allez regarder un historique, donc par exemple la dernière game que j'ai fait un plus 8. Et sur le plus 8, du coup, c'est ce qui m'a permis de passer Infinite. Et on peut voir du coup, le... surtout en fait, l'historique, le... comment dire, la mémoire du jeu. Je sais pas comment le dire, mais genre entre autres, vous allez avoir la dernière vision que le... dont le champ de bataille a été en fait. Dont le champ de bataille a été. Donc là, c'était le champ de bataille lors, de la... lors du dernier tour. Donc au dernier tour ici, j'avais Sunspot, Démon, Armor, Cosmo. Qui Cosmo avait dû être joué sur, pour jouer en fait sur Wong, pour l'empêcher de réactiver ses effets sur Odin. Donc là, c'était, je pense que j'avais l'initiative, et du coup, c'est ce qui m'a permis de gagner en fait. Quand il a joué sur Cosmo, c'est ce qui m'a permis de sécuriser. Il a essayé de tenter un autre move sur du coup America Chavez, vu que là j'étais en négative. Donc, il a fait America Chavez pour gagner ici en pensant qu'il allait gagner ici. Sauf qu'on a dû temporiser, on a dû faire du coup Cosmo sur le T4, jouer Infinote, enfin juste passer du coup sur le T5. Non, j'avoue, c'est bizarre parce que j'ai pas joué Electro. Bah, je vais pas m'avancer, je vais pas dire ce qu'on a fait exactement parce que je m'en souviens plus trop. Mais voilà, globalement, ça permet vraiment d'avoir un aperçu de ce qu'était votre dernier champ de bataille. Et pourquoi c'est intéressant comme données? Parce que si vous avez fait des erreurs, vous pouvez voir où est-ce que ça aurait été plus intéressant de jouer. Et en fait, gagner ça, gagner du coup de l'expérience en profitant de la défaite pour pouvoir analyser au maximum et savoir en fait à quel moment il faut tenter de jouer, tenter de... à quel point c'est... Genre j'ai déjà vécu cette situation et lors de cette situation je pouvais faire autrement pour gagner. Est-ce que là je peux l'appliquer? Oui, non. Et ça permet en fait d'avoir vraiment cette option là d'analyse qui se débloque grâce à l'historique des matchs et c'est ultra intéressant. Il y a d'autres données qu'on peut voir, donc par exemple la main de l'adversaire, combien il avait de cartes, combien il avait de cartes dans son deck, combien il avait de cartes dans le cimetière. Et il y avait des données qui étaient intéressantes en plus, sauf que là c'est plus disponible pour le moment, je sais pas si c'est voulu ou pas. Mais ça c'est très intéressant, et notamment ce qui est le plus intéressant c'est les statistiques. Ça c'était vraiment pour vous montrer un peu la puissance du site et qu'est-ce que ça peut vous apporter en termes d'analyse. Et maintenant je vous propose de faire quelques games avec le idéalement au score. Alors c'est des games qui vont pas être coupées, la vidéo fait déjà 20 minutes, donc c'est vrai que ça risque d'être un peu long. Désolé si jamais vous n'avez pas la longueur, on va faire 2-3 games en d'affilée. Alors si je perds, c'est pas bien grave. Il va être important, c'est vraiment de vous montrer les différentes combos. Comme ça, il se peut que vous ayez... Enfin même moi au début en vrai, genre quand j'ai vu le deck, je fais ouais, ça a l'air pas mal, il y a l'air d'avoir beaucoup de T6 et tout, c'est un peu bizarre. Mais en vrai, le deck propose tellement de possibilités que c'est assez dingue. Je suis sûr que j'utilise pas vraiment son plein potentiel, vu que je suis pas le créateur du deck, sur le idéalement score, je l'ai modifié à ma sauce, mais je suis pas le créateur du deck de manière originale. Du coup, lui, il a vraiment fait un travail de deck building qui est assez profond, et genre, je crois que d'ailleurs sur le site, quand vous allez... je suis pas sur la bonne scène. C'est les aléas du, du direct vidéo. Donc là, on est reparti. Donc là, du coup, on commence avec l'atelier du bricoleur. Donc il va nous donner plus 1 d'énergie. Là, on n'a pas Sunspot, ça aurait été intéressant. Donc on fait juste fin de tour. Ce qui va être sympa aussi, c'est... Alors, surtout avec ce deck-là, si on a The Wood en main de départ, il faut pas vouloir le jouer directement. Parce qu'en fait, on sait pas où est-ce que va être joué du coup Tauroscorp. Il faut vraiment attendre le dernier moment. Tauroscorp au milieu, généralement, c'est plutôt bon signe. L'adversaire joue une mécanique potentiellement de destruction. Je pense que je suis pas mal ici. On va faire un snap. On va être greedy. On va faire un snap et je jouerai Electro du coup autour du milieu. Angel, donc on est sur une vraie mécanique de destruction. Ok. Donc Electro va sûrement être géré sur le T4 par une carte de destruction. Nous, on va le jouer au milieu. Il y a sûrement moyen qu'on joue du coup tour d'après en fonction de si on a l'initiative ou pas. Non, c'est lui qui aura l'initiative. Par contre, il a joué Deathlock. Ça veut dire qu'il a déjà perdu 2 cartes de destruction. Donc potentiellement, s'il veut se débarrasser du coup de l'effet négatif, il faudra du coup qu'il joue potentiellement Venom du coup. Venom et après c'est Destroyer je crois. Il y a Carnage, Venom, Deathlock. En termes de destruction après il y a Killmonger mais c'est du ciblage sur du T1. Donc ouais je pense qu'on sera pas trop mal. Donc là je suis à 5 d'énergie. Soit je vais tenter du coup Cosmo. Alors j'ai pas Arnim Zola dans la main sinon j'aurais bien tenté Dival Dinosaur sur Arnim. Je pourrais tenter un move greedy sur Professeur pour sécuriser ici. En partant de l'idée qu'il va peut-être vouloir gérer ce lieu. Lui, il peut jouer qu'une seule carte, on est sur le T4. En T4, du coup, en destruction... Bah, c'est plus un enchaînement de cartes, en vrai. On peut faire genre Bucky... Ouais, non, en vrai, je pense qu'on peut sécuriser sur gauche. On va sécuriser ici. Ça me semble être vachement idéal. Moon Girl. Ah, sur... sur Death, du coup. Donc là, j'aurais que 3 d'énergie à apporter pour faire égalité. On va essayer d'en faire un peu plus. Là, je suis à 6.
S'il joue sur Death, faut qu'il joue d'autres cartes de destruction. On est à 6 de mana. Leader, je vais le garder pour le dernier tour, comme ça on pourra jouer sur Death. Et là, faut vraiment que je sécure un maximum de lieux. Si je fais un énergie... Enfin, si je fais du coup Dival Dinosaur. Ça se traduit comment? Ça se traduit que du coup, il me restera un énergie, Sunspot il va passer à 6. Au tour d'après, je fais Leader, il me reste 2 énergies, il va passer du coup à 6, 7, 8. On fera Draw. Donc c'est peut-être pas le meilleur move. Je peux tenter Cosmo. Le truc c'est que s'il fait Death plus Taskmaster, ça peut nous être un peu handicapant si je joue là-dessus. Mais je pense qu'on va jouer Cosmo. Et on va donner 3 d'énergie ici, comme ça on passe à 8 et il ne nous restera plus qu'une énergie. Non, je vais quand même jouer sur The Hood et on essaiera de calculer ça comme ça. Wave, donc là il va jouer sur Death, ok. Alors le fait que les cartes passent à 4, c'est plutôt un avantage en vrai. Bon, par contre, ici, je me suis condamné sur un moins 2. Bon, ici, je pense que je la gagne. Et juste en jouant sur Leader, ça devrait être suffisant. Le souci, c'est que... Ah non, je peux pas ici. Donc, faudrait que je joue sur Destroyer. Après, j'ai assez de mana pour jouer sur tout, en vrai. Si je fais genre Destroyer... Et Leader. Ici, je fais Draw. Mais sur la... Ouais, je suis pas sûr de gagner ici non plus. Genre, ici, je passe à 2... En fonction de ce qu'il va jouer, en fait, je vais juste faire draw ici, il va gagner un lieu, je vais gagner un lieu. Mais je pense que si je gagne un lieu et qu'il gagne un lieu... Ça peut jouer sur égalité. Et sur égalité, je pense que je devrais être un chouïa au-dessus. Ou alors... Je fais destroyer pour perdre le hood. Je fais leader. Et je laisse et sur égalité, je pense que je peux gagner comme ça. Parce que du coup, Destroyer... Ah non, c'est lui qui a l'initiative. Si, c'est bon. Sur Destroyer, ça va enlever Cosmo. Donc si lui, il a du Unreveal, ça marchera pas. Par contre, mes Unreveal à moi peuvent fonctionner. Mais je pense que c'est pas mal. Et on fait du coup, on fait égalité sur gauche, ça me semble cool. Oh, il a joué aucune carte. Alors, je crois qu'il y a un... Ouais, il y a un souci là-dessus, il me semble. Vu que c'est un bot, il y a un souci avec Leader actuellement. Et quand vous allez jouer Leader, en fait, il va juste jouer aucune carte. Et à des moments ça peut être avantageux comme ici, ou d'un moment ça peut vraiment faire des dégâts. Donc là on a fait un plus 8. Alors ça demande pas mal de réflexion, hein. Ça demande quand même pas mal de réflexion. En fonction de votre vision du coup, je pense qu'il y avait des plays que j'aurais pu faire qui étaient peut-être plus intéressants. Mais c'est vraiment pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec le deck. Donc là du coup on a fait plus 8, c'est très intéressant, on passe 102, tout de même, un petit plus 8 c'est cool. Mais c'est vrai que des fois ça joue à pas grand chose et vraiment de manière idéalement... Je vous conseille de bien juger et si vous sentez pas la game, genre juste fuyez. Ne perdez pas des cubes inutilement et essayez d'en générer un maximum possible pour que ça soit bénéfique pour vous. Hop, qui nous ajoute une carte à la main sur. Oh, sur The Hood, ça peut être très bien s'il y a la tour au scorp. Nous, on va juste continuer à jouer sur Sunspot. Et il joue Nova, donc on est aussi sur une mécanique peut-être destruction. Sûrement Destroyer, hein, sur Nova, ça peut être très bien. Ah, Subterrana, c'est pas un bon lieu pour nous. On sait que là, il reste. Il reste juste un emplacement qui est pas visible. Donc je vais jouer The Hood dessus en prévention. Sur la tour au score. Daredevil, très fort. Très très fort. Est-ce que c'est la tour au scorp? Ah, oh, trop... Donc là, théoriquement, je pense que ouais. Non, il a snappé ici, c'est trop greedy de la tenter. Je vais juste faire le retreat. On va pas la tenter. Genre, il aura trop l'avantage. Après, j'avais pas une mauvaise main, j'avais Electro, je pouvais tenter de sécuriser ici. Et sur ce lieu-là, je pouvais tenter de faire des trucs, genre peut-être un Destroyer en early et jouer sur compte spatial. Genre, c'était jouable, c'était vraiment jouable. Mais est-ce que c'est intéressant alors que c'est lui qui a l'avantage pour le moment? Sachant que sur le T5, s'il joue sur Professeur X, du coup, bah, il va juste pouvoir peut-être sécuriser sur le compte spatial si jamais je joue en fonction de comment je vais jouer. Du coup, ouais, non, j'ai pas envie de la tenter celle-ci. Ça me semble un peu trop greedy. Mike Maul. Et je pense qu'on terminera du coup la vidéo là-dessus. Comme ça, ça fait une vidéo d'une trentaine de minutes, 35. Ça sera plutôt intéressant pour vous et ça sera déjà pas mal. Enfin, intéressant peut-être en termes de gameplay. Et j'espère que la présentation vous aura plu. Alors, Murder World, ça peut être sympa de s'étaler dessus. Je sais pas quel deck il joue et si je setup Armor en early comme ça peut être un peu handicapant.
Mais sur le taux de dégâts d'Electro plus la Tourroscorp, faut que j'anticipe. Donc je vais jouer Armor sur Murderworld au cas où si je joue Destruction avec les cartes comme Deadpool, ce genre de choses. Tourroscorp, Electro? Ah, Destroyer! Alors comment vas-tu jouer? Après, ouais, non, c'est à partir du tour 4 ça. Donc Bishop ici qui est sécurisé, bien ouais. On est à 4 de mana. On a Cosmo. On a Cosmo. Bah, on va le jouer dans tous les cas. Hein. On va jouer Cosmo sur milieu. Comme ça, on sait qu'on a un lieu de sécurisé sur Destroyer T6. Et je vais peut-être jouer sur Jessica Jones. Enfin, pas non, c'est lui ça. Je vais peut-être jouer sur Dival Dinosaur sur un autre lieu. Et juste faire Destroyer au mid. En fonction de combien il va jouer, ça me semble plutôt pas mal en vrai. On va voir son move ici. Après, il peut toujours jouer Enchantress, mais sur ce deck-là, je suis pas sûr. Magic, donc là, on part sur 7 tours. Ok. Et bah, ce qu'on va faire, c'est que si on part sur 7 tours, on va jouer du coup Professeur X de ce côté-là. Oh, j'avoue, le Dival Dinosaur en double-là, il est assez intéressant aussi. Hein. Oh, 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 il est plutôt pas mal non plus. Hein. Il est plutôt pas mal non plus. Genre là, s'il joue sur Serra, il fait du 8 sur droite, mais je sécure. Et si je fais Destroyer après, je pense que ça sera suffisant aussi. Non, franchement, faut qu'on essaie de sécuriser un lieu. Et je pense que Professeur X ici sera plus intéressant. Et je vais jouer aussi du coup The Hood. Dans la prévision de faire du coup un démon. Comme ça, je pourrais jouer Destroyer et démon. Pour vraiment sécuriser un maximum ce lieu. Et sur Shang-Chi, on sera pas ciblable. Donc là, il y a Mysterio qui a été joué. Ouais, donc la gauche en vrai, genre aller pour lui. Nous, on va vraiment sécuriser la droite. Et le milieu. Mysterio et Enchantress. Qui fonctionne quand même. Qui fonctionne quand même. Du coup, mon Professeur X ici, il est pas trigger malheureusement. Et il fonctionne plus. Ah. Alors, c'est un des cas de figure que je me demandais comment ça fonctionnait. Mais c'est vrai que c'est assez logique que ça fonctionne finalement. Du coup, ça change 2-3 trucs. Ça change 2-3 trucs. Après, là, actuellement, je contrôle deux lieux. Ah, je contrôle pas spécialement deux lieux, c'est un peu greedy. Je me suis dit pour deux, j'aurais pu la tenter. Genre, c'était ok. Mais pour 4, là, je suis pas sûr de mes chances de victoire. C'est le dernier tour. Ouais, ça va être du 1 chance sur 2. Si je fais leader et qu'il a pas Mysterio sur droite, enfin sur, ouais, sur droite, on est vraiment bien. Mais s'il a Mysterio sur droite, j'avoue, c'est un peu contraignant. Je pense pas qu'on va la tenter. On va faire une retreat. Donc là, on est toujours sur un net cube de 6 pour le moment, vu qu'on a fait plus 8, moins 1, moins 1. Et il faut vraiment du coup pas hésiter à fuir si jamais vous sentez que la game elle va aller contre vous. Parce que c'est comme ça qu'on va en fait essayer de préserver un maximum de cubes perdus. Et sur les victoires, ça rendra notre progression en fait beaucoup plus rapidement. Enfin, beaucoup plus rapide. On va faire une petite dernière, en espérant que du coup la vidéo dure 35 minutes. C'est juste pour vous montrer un peu toutes les possibilités et les erreurs qu'il faut peut-être pas faire. C'est lui qui avait la priorité ici, donc si on analyse bien, Professeur X était un peu greedy, au cas où s'il jouait Enchantress, sachant que j'avais déjà joué au Dival Dinosaur. Donc vu que j'ai Dival Dinosaur, mon adversaire va être plus susceptible en fait de jouer son Enchantress à ce tour-là pour le bloquer. Vu que je l'ai pas joué sur Cosmo, j'avoue que c'est peut-être l'erreur en fait. J'aurais peut-être dû jouer sur Dival Dinosaur sur Cosmo pour éviter du coup Enchantress. Et vraiment sécuriser ce Professeur X. C'était sûrement le meilleur move. Alors, à là, ici, ça va être un peu spécial. J'ai pas envie de jouer Sunspot au cas où sur Tourroscorp, au milieu. Donc, je vais juste temporiser un peu. Et voir comment il va jouer. Ok. Titan. Donc là, je vais jouer Sunspot et The Hood sur droite en prévision sur Tourroscorp. De manière générale, on peut aussi jouer sur Ala pour qu'il puisse se développer dessus. Et le démon. Et du coup, le laboratoire miniaturisé. Ok. Bah là, on va jouer Electro. Vu que dans tous les cas, c'est moi qui remporte le lieu pour le moment. Cosmo, ok, ok. Alors, Cosmo, ça peut être très cool pour nous. Ça peut être très cool pour nous. Après, il est déjà bien... bien évolué. Je pense qu'on va jouer du coup... Ah, je peux jouer qu'une carte par tour, c'est vrai.
On n'a pas de destroyer, donc on n'a pas de late game, c'est un peu dommage en soi. Alors en vrai, là sur le snap, je pense qu'on peut toujours la tenter pour le moment. Là, il est à 9 sur juste un spot, ça va être trop lourd. Alors c'est un peu greedy, mais on peut tenter un move ici. Hein. Parce qu'il aura pas envie du coup de tuer mon électro. Sinon ça me donne un avantage. Il va vouloir que The Wood ici soit détruit, donc sur Professor X je peux sécuriser le lieu comme ça. Ok. Et Armor, donc nos destructions. Ok, bien vu. Alors j'avais pas du tout en fait la vision sur Viper, donc là il m'a bien eu. Et ça va être un peu plus compliqué du coup. Ça va être un chouïa plus complexe. Donc Arnim Zola ici, il aura pas autant d'effet qu'on voudrait. En fait, il faudrait Destroyer sur le... Ouais, mais ça va être chaud. Genre, je m'attendais à un deck Destroy, mais Viper ici... Bah, je pense que c'est un peu la version que je vous ai présentée, finalement. On est sur le même genre de deck, mais avec Viper. Et j'avoue, ça marche plutôt bien, en vrai. Genre, en version basique, c'est plutôt sympa. Bon, là, en tout cas, ça a fait le taf. Là, ça a bien fait le taf. On tente quand même Dival Dinosaur sur le milieu et on voit comment il joue. Il a déjà snappé, donc là on peut le tenter dans tous les cas. On va attendre de voir comment ça se passe. Ouais, donc c'est à peu près le même deck. Hein. Ouais, ici je peux pas faire grand chose. Bien joué lui. On fait moins 2, du coup voilà, sur la petite session qu'on s'est fait, on a quand même fait du plus 4, donc c'est positif. Mais voilà, ça vous a permis de montrer un peu, le deck. Je pense qu'il y a eu des erreurs que j'ai pu effectuer. Dans les commentaires, vous ferez un plaisir sûrement de dire quels étaient les meilleurs moves selon vous. Mais en vrai, ça vous permet juste de présenter un peu le deck, et c'est un deck que je trouve ultra intéressant. Et le fait de le jouer sur Viper, je l'avais pas encore testé, mais ça marche plutôt bien en vrai. Surtout si vous gardez en fait The Hood. Du coup, il faudrait peut-être intégrer ça sur le idéalement Obscorp, et intégrer Viper dedans. Par contre, je vois pas ce qui pourrait changer du coup. Enchantress peut-être ? Ouais, c'est un peu greedy, mais pourquoi pas. Non, je sais pas, je pense pas que je changerais grand chose. Après, s'il joue sur The Wood, est-ce qu'il joue vraiment sur Electro? Je peux plus aller voir le deck de l'adversaire, donc savoir ce qui était dans son deck, donc je peux pas essayer d'anticiper et d'apprendre du coup de ma défaite ici. C'est un peu dommage, mais on va faire avec et on verra en fonction de ce qui va être là. Ouais, du coup, une chose importante pour terminer cette vidéo, c'est que des fois vous allez perdre. Et le mieux, c'est peut-être des fois de perdre pour apprendre. En fait, vous allez perdre des cubes. Les cubes, vous pourrez les regagner au fur et à mesure. Juste de pouvoir perdre et voir quelles vont être les fins de jeu de votre adversaire, ça vous permet de, si vous rencontrez à peu près ce même genre de deck, de ensuite, par la suite, pouvoir re-anticiper et dire, ok, genre sur le dernier move, là, il m'a fait ça, c'est une possibilité ici qui est possible. Est-ce que je l'anticipe? Est-ce que je joue avec? Si je joue avec, du coup, est-ce que je gagne, je perds? Et du coup, c'est vraiment intéressant d'utiliser du coup la défaite comme un apprentissage et pas comme quelque chose de négatif. Bon là du coup on va devoir le refaire beaucoup plus souvent vu que SnapFan il propose plus le deck de l'adversaire et on peut pas analyser après la partie en ayant fui. Donc va falloir qu'on le fasse un peu plus souvent. Mais c'est une mécanique ultra intéressante que je peux que vous conseiller de pratiquer de temps en temps sur les decks que vous connaissez pas trop. Alors si ça part à 8 cubes c'est pas intéressant en vrai, genre, mais si c'est pour 1 ou 2 cubes, genre ça reste ok. Genre pour 2, 4 limite, mais 8 ouais, genre 8 tentez pas, genre ça fait quand même beaucoup plus de perdu. En tout cas voilà. Cette vidéo est terminée, elle fait quand même presque 40 minutes, c'est peut-être un peu long, mais j'ai voulu vous présenter du coup cette version de Dex sur plusieurs points, du coup la présentation sur le jeu, la présentation avec les analyses, et ensuite du coup le gameplay. Est-ce que ce genre de schéma-là vous plaît? Est-ce que vous préférez peut-être une vidéo plus courte où on passe outre les analyses et on fait juste la présentation rapide du deck, et ensuite on enchaîne sur le gameplay pour que la vidéo dure 15 minutes, c'est un truc dans le genre? Ou est-ce que comme ça, ça vous semble plutôt pas mal et vous aimez bien ce principe-là? En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à rejoindre bien sûr notre Discord communautaire. Si vous voulez me donner du soutien, vous abonnez à la chaîne, commentez, aimez, partagez, tout ça, le blabla basique, ça ferait extrêmement plaisir, ça apporte beaucoup de force. Le plus important, à mes yeux, c'est de venir lâcher un petit follow sur Twitch. Comme ça, c'est totalement gratuit. Et sur Twitch, vous allez me follow. Et la prochaine fois que je passe en live, boum, vous avez la notification. Vous pouvez venir me voir et on parlera du jeu en direct. Vous pouvez poser vos questions sur le jeu ou alors sur du coup les gameplays, etc. Enfin, juste échanger ensemble, c'est plutôt très très cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé.